Maman, tu décroches? Non, toujours pas. Les Juifs dans le deuil ont une étrange habitude, ils arrachent un peu de leurs vêtements. Il va falloir apprendre à vivre avec la déchirure. Ça va pas du tout, maman, là. Faut peut-être qu'elle aille voir un psy. Un psy? Non. On lui prend une femme de ménage. C'est très bien. Et vous faites quoi dans la vie? Je suis veuve. Alors, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Je sais pas. Pourquoi t'occupes-toi? Quoi, m'occuper de moi? À quoi ça sert de prendre soin de moi à mon âge? Moi, je vous trouve très bien, très... très belle. Bonjour, madame. Est-ce que je peux vous aider? Mais pourquoi vous parlez comme ça? Je vous entends très bien. Où tu vas avec ce maquillage aussi? Qu'est-ce que t'as en ce moment? Le dernier homme qui m'a draguée, c'était mon mari. Ton vœu le plus cher, tout de suite maintenant. Baiser. Oh, ok. Amène-moi aux Galeries Lafayette. C'est papa qui te manque, hein? Moi aussi, il me manque. Et je suis toujours là. Il y a des choses à vivre encore. Et toi, Rose, ce serait quoi ton plus grand vœu, là, maintenant, tout de suite? Que cette soirée ne finisse jamais.